Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une spéciale force, nature, mâle, bonhomme, virilité. Tu t'es clairement trompé d'invité. Ouais, hein, c'est pas nous ça. Je sais pas, il y a eu plein de meufs qui nous ont dit « Ouais, Damido, elle reçoit que des copines, blablabla, c'est trop gonzette, pipipi, pia pia pia. Bah, » L'autre, que... il a gueulé parce que zéro supporter de foot. Donc là, j'ai pris trois mecs virils et qui aiment le PSG. Ah ouais ? Et bah nous, on est venus en tout cas pour se faire insulter sur la chaîne de Valérie. Clairement. Parce qu'on est des vrais bonhommes. Ouais, voilà. Avec des vrais muscles. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. J'espère qu'on va te casser de la bûchette aujourd'hui, moi. Alors, on va pas casser de la bûchette, les gars. C'est du tech ? Ouais, c'est du tech pur. Putain, on a affaire à des experts, je crois. Non, mon grand-père était fan de Charles Ingalls. Ah ouais, c'est ça. Eh ben, c'est ça, et ça a été coupé. C'est la dernière planche que Charles a coupée avant de partir. Ah ouais, je savais que c'était pas trop mal ambiance, c'est toi. Aujourd'hui, on va recycler une vieille table. Moche. Vous avez tout ça chez vous, vous avez des vieilles tables de merde, je suis sûr. Oui, oui. Je suis pas récupérer des vieux trucs, ça c'est ton truc un peu. C'est ton truc ça, récupérer des vieux trucs. On parle de trucs d'une personne, d'une vieille personne. Ok, ça. Non, on est toujours de sur ton, une table. De ton rapport à l'argent. Ah, mon rapport à l'argent, d'accord. Ça va être long ce tuto. Ah, ça va être très très long. C'est une seconde vie. Alors, on va donner une seconde vie à une table, et pour ce faire, il vous faut... Eh bien, on va aller dehors, parce que chez YouTube, on ne peut pas faire les choses à l'intérieur. Pourquoi ? Je ne sais pas, demande à monsieur YouTube. Je ne sais pas. Donc on y va ? Ouais. Allez. J'aime bien, tu peux redire... Ah, pardon, excusez-moi, la virilité du gars quand il l'a dit. T'avais l'air hyper décidé. Vas-y. Donc on y va ? Je suis un peu ému. Hein. Il a jamais été autant motivé de sa vie. Je suis c'est charismatique viril. Surtout. Hein. Putain, c'est viril de ouf. Allez, go. C'est vraiment le max qu'on peut faire. Hein. On va d'abord, première étape. Maroufler ? Non, mais j'aimerais bien que je vous aurais bien fait maroufler, mais le problème c'est que la maroufle, c'est mettre du papier peint et chasser les bulles d'air. C'est on bien peut pas. Globalement, du... on n'en avait aucune idée. Ouais. Et d'ailleurs, ah, vous ne savez même pas ? Non, non, pour moi, la maroufle, c'est un dessert, quoi. Ouais, tu peux. Mais même, c'est une expression. Ouais, pour moi, c'est une expression. Bah, c'est une expression, tu peux tout maroufler. C'est comme on va je te maroufle la gueule. C'est clair, on va zlatane. Pour moi, c'est la même chose qu'on va zlatane quelqu'un. Oui, voilà. Bah, c'est ça. C'est ça. On va maroufler quelqu'un, quoi. Voilà. Mais c'est aussi un art de vivre, quoi, tu vois. La maroufle. Ouais. Oui, frapper quelqu'un, c'est un art de vivre, on est d'accord. Ouais, ouais. Bah, évidemment. Bah, pour Valérie, oui. Enfin, vu l'agressivité qu'elle met quand elle nous parle. Vous avez vu ce que je subis au quotidien, les gars. Ok, donc on a une ambiance de couille, donc ça y est, on y va. Tu as demandé de l'homme viril. Bah, on est là, voilà. Ouais. Alors, l'homme viril, justement, parlons-en. Donc, cette table, elle est moche, ouais. Clairement. Bah, elle a été à la mode un temps. Mais il y a longtemps. Ah ouais, putain. Le projet, je vous explique. On va poncer la table et la repeindre. Mais on va faire une petite subtilité en plus. On va faire une découpe dans la table pour venir insérer une petite caisse à vin. Une nichette, quoi. On va créer une bonne table de pochetron, quoi. En gros. Non, mais attention, nous on recycle la caisse à vin, mais on s'en sert pas de caisse à vin. On va s'en servir comme pour mettre les télécommandes, tu vois, un truc. Mais on peut s'en servir comme caisse à vin. On peut s'en servir comme mettre des bouteilles ou des verres. Ça, c'est important, ça. Moi, je respecte les gens qui font de la déco, mais parfois, quand ils me disent qu'ils mettent des caisses pour mettre des télécommandes, je me dis qu'ils ont vraiment rien à foutre de leur vie, quoi. Bon, bah voilà. Ok. Ça va, parce que c'était mon idée. C'était l'Hollywood. Merci d'être venu, parce que vraiment... Abonnez-vous, n'hésitez pas. À la semaine prochaine. Un pouce, enfin bref, une petite cloche, tout ça. Tu vas poncer les pieds. Parce qu'on va peindre les pieds. De la table, d'accord. D'accord. Pas les tiens de pieds. Hein. Ouais. L'idée, c'est pas de poncer à blanc, c'est juste de griffer, d'enlever un peu de vernis pour que la peinture accroche. Oh, tu l'as perdu, mais de où ? Ah, si, ça va, je vais la retourner, la table. Non ? Non, tu vas te mettre par terre. Hein. Tu vois, comme ça. Tu vas te baisser. Regarde, attends, regarde. En deux étapes. Une main. Ouais. Deux mains. Un genou, deux genoux. Je crois qu'elle se fout de ta gueule, mais je suis pas sûr. Hein. Non, mais on est sur la chaîne de Thibaut InShape ou quoi ? J'ai pas compris le concept de la chaîne, je suis désolé. C'est vrai que le concept n'est pas clair. Et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui peut se servir de la grosse bécane. Allez, moi je me sers de la grosse bécane. Alors, montre-lui comment tu fais. Et dans quel sens ? Bah, toujours dans le sens de la veine du bois. Ok, bah très bien. Donc, là, tu fais ça. Tu vois, ça ponce bien quand même. Ouais, ça ponce bien. Et pendant ce temps-là, en fait, quand il y en a qui bricolent, il y en a toujours deux qui foutent rien. Tu le sais, ça. J'adore ce rôle. Hugo, baisse-toi plus, tu ne vois pas bien le pied. Fais attention à ton dos, quand même.
Ah, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est beau, Manu. Je sais pas du tout à quoi ça sert de poncer les choses, mais... Parce que si tu ne ponces pas, la peinture n'adhère pas sur le bois. Mais enfin, Hugo, c'est la base. Oh là là. Je te jure, les mecs, aujourd'hui... Valérie ? Ouais ? J'ai besoin que tu m'insultes quand je fais ça. Mais dépêche-toi, espèce de tocard ! Ah, ça va, j'adore. C'est bon, là, t'en as assez fait. On t'a pas dit de poncer à blanc, juste tu grilles. Moi, j'adore ce tuto, hein. Moi, j'adore. J'ai rien à faire. Et lui aussi, regarde comme il aime. Je kiffe. On respecte plus que sur le niveau. Ah, bah tu viens avec nous, regarde. Ah, c'est bon. Voilà. On peut faire un trio. Regarde, il est beau, il est élégant. Tu vois ? Ah, mais t'as une technique que j'ai pas aussi. Bah, l'habitude, quoi. Il y a du métier, il y a de la marouf. Ah, mais il y a 600 kilos de pression là dans les bras. 600 kilos, tu dis de ça pression, par rapport à quoi ? De pression. T'attends, de que, pression. T'attends, excuse-moi là. 600 kilos de quoi ? De pression. De pression de quoi ? Mais la pression que tu mets dans la force, la, l'énergie, tu vois, la. T'es très très très. Je vais chercher un tournevis là. Ah, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire, Valérie, quand on a fini de poncer ? Eh bien, Phil, je crois qu'il faut passer un coup d'éponge humide et de chiffon sec. Ah ouais, c'était les shopping en fait, ici. Voilà. Et là, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé une scie à découper ? Bien sûr que non. Mais je sens que ça va faire très plaisir à Chouba. Pourquoi Chouba, tout le temps Chouba ? Chouba. Chouba avec un P. Oui, mais Chouba, c'est bien aussi, parce que Chouba, ça fait Chouba car. Absolument, ouais. J'aimerais bien qu'on continue sur Chouba. Chouba, c'est mignon. On valide Chouba, quoi. Ça fait 15 ans qu'on appelle Chouba. Chouba le ponceur. Chouba le ponceur. Chouba, le roi du ponçage, c'est mignon. C'est un très bon pseudo internet, je trouve. Mais ouais. Chouba le ponceur. Chouba le ponceur. C'est un pseudo Grindr plutôt. Chouba le ponceur. On va découper une petite trappe dans la table avec une scie sauteuse. Wow. Ouais. Ça a l'air dangereux ça. C'est sympa, ça fait téléphone, c'est cool, ça a l'air dangereux. D'un commun accord, on est d'accord que le plus gentil de cette bande, c'est Chewbaba. Chewbaba le ponceur. Ça mélange de mon surnom et de. C'est le plus gentil, on est d'accord ou pas ? Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Ça a l'air d'être le plus sympa. Ouais, je sais pas, il a l'air aussi très sympa lui. Manu ? On retiendra que Hugo est le connard. Clairement. Non, alors c'est pas vrai. Hugo, bonjour, je suis une pute. Enchanté. Bien sûr. Hugo, c'est un autre truc. Je le dirai tout à l'heure. Mais c'est le plus drôle, le Hugo. Ah, bonjour, je suis une pute rigolote. Mais Chewbaba, c'est le plus gentil. Oh, Chewbaba. D'abord, c'est lui qui est le mieux coiffé. Ah, c'est vrai qu'il y a eu... Il y a eu du travail. Il y a eu du travail. Tu sais, quand mon fils était petit, je prenais du parfum sur une brosse et je lui mettais comme ça et je faisais sa petite mèche pour aller à l'école. Ouais. Et ben, ça me rappelle ça quand je te touche. Et ben, tu sais quoi, pour cette vidéo, et on va mettre un petit extrait de 3 secondes de Chewbaba qui est tout mignon, qui danse quand il est petit. Voilà. Ok, alors donc comme c'est lui le plus gentil, il va rester avec toi pour la découpe. Ah d'accord. Oui, vous savez faire quoi vous en attendant ? Oh bah, moi avec Hugo et Manu, on va s'occuper, on a des tas de trucs à faire. Alors j'ai un truc à vous donner à faire. Regarde, cette petite caisse de vin, bah vous allez me la peindre. D'accord. Parce que comme il fait un peu froid, on peindra la table en bas. Venez les garçons, venez avec moi, je vous emmène. C'est donc la première action bienveillante de Valérie qui dit comme ils vont avoir froid, je les emmène au chaud. Et je trouve qu'il y a du progrès. C'est clair. Alors bienveillante. Froid avec Phil. Enfin, je t'aime bien, hein, mais bienveillante. Hyper intéressé. Rapport 1. C'est vrai. C'est vrai. On est sur du body consulting. Allez, venez. Exactement. Alors, on va tremper le petit pinceau. On trempe son petit pinceau. On essore son petit pinceau. Ok, je sais ça. Et il faut le faire à l'arrache comme ça. Ça a l'air à l'arrache là ? Ça a l'air à l'arrache là ? C'est fait par Valérie Damido. Ouais, elle fait les choses à l'arrache, Valérie Damido ? Pardon. Ça a l'arrache là ? Je suis une merde. Madame Damido. Vous l'avez fait venir juste parce que. Il est probablement en ce moment avec sa meuf ou. Non, pas. Parce qu'on n'avait pas de voiture. Ah, d'accord, ok. Ah, bah oui, mais expliquez-vous aussi parce que. Ah, on peut pas tout dire devant lui. Tu vois, ah, oui, c'est d'accord. Abusé. En fait, profite, il est là. Il est avec Phil. Bah, pourquoi on l'a laissé avec Phil d'après toi ? Bah, attends, c'est clair. Oui, c'est vrai que bon. Et il est en profonde dépression. Ah ouais ? C'est un peu dur au quotidien, donc... Ah, ça vous fait des vacances. Bah, j'avoue, voilà, c'est Phil qui est en train de se le taper. Mais pour les tournages, ça se passe comment ? Enfin, je veux dire, il est pas... Il est justement, vous voulez te proposer, Valérie, est-ce que tu veux venir prendre sa place sur l'Hollywood ? Ça nous ferait vraiment plaisir. Mais du coup, on le dégage, quoi. On lui dit qu'il reste, mais il reste pas, ouais, tu vois. D'accord. On le ghost, quoi. Mais vous l'hébergez ou pas ? Enfin, je veux dire, il dort où ? Bah, on a trouvé une petite cave, pas très loin du bureau, et il est content. Il est très très content. Bah t'as vu, de toute façon, il est mignon, il est gentil. Il est gentil, hein. Il est pire coiffé surtout. Une fois que j'ai fait mon trou, je peux introduire ma lame, Francis. C'est vraiment une phrase de film porno, ça.
vache, oh là là, c'est pain avec les pieds quoi. Alors, on t'a pas dit qu'on était des experts, hein. Enfin d'ailleurs sinon on viendrait pas faire des tutos ici. Hein. Nous on venait apprendre à la base. Nous. Moi vous m'avez dit, on aime bien quand c'est un peu violent, c'est en adéquation avec ce qu'on est, enfin je sais pas. C'est vrai, mais ça n'excuse pas le fait que tu aies choisi une couleur de merde pour ce casier. Je me barre. Une couleur de merde? Attends, viens là, marchand, s'il te plaît. Une couleur de merde? Non, en fait, c'est juste que je trouve que ça... Ah, non. Madame Damido, sachez que j'aime beaucoup cette couleur. Et attends, et pour sucrer à graver, il a rien, lui? Non. Ah, les voilà. Je vais superviser Hugo, et puis tu vas peindre la table avec les garçons. Manu, tu vas peindre les pieds en noir. Ok. Et toi bien. Et moi, on va peindre le plateau en gris. Okay. Pourquoi tu lui parles, t'es? T'as vu? C'est pas le même ton. Moi, clairement, il y a même ton. Il y a clairement un chouchou quand même. Tu peux m'ouvrir le gris, s'il te plaît? Ouais, c'est pas le même ton non plus. Hein. Regarde, tu vois, Chewbaba, il a tout de suite compris qu'il fallait tirer la peinture. Ah bah, lui, faire des économies, c'est son truc. Hein. Là, c'est clair. Attends, regarde comment il protège sa chemise blanche de la peinture. Mmh. Regarde le petit geste qu'il a, comme c'est mignon. Ouais, c'est il est hyper attendrissant, Chewbaba. Je l'aime bien cette veste, quoi. Au bout de combien de couches tu sais que c'est bon? Comment on sait que... Bah là, on va poser une première couche, on va sécher, et puis après, on pètera la deuxième. D'accord. En gris, t'es sûr, Valérie? Alors, ça, c'est une cornière en aluminium. C'est très bien, Vincent, la cornière. Cette cornière, on va la poser de chaque côté de la boîte. Ok. Et on va faire tenir la boîte sur les cornières. Parfait. Par contre, dans les commentaires, j'aimerais bien, un, que vous me disiez qui est le plus beau des trois. Ah, c'est dur. Deux, qui est le plus gentil des trois. Non, ça c'est mon beau monde. Attends, mais tu influences. Pas du tout. Les goûts et les couleurs, ça se discute. Non, les gens sont très libres. Et le troisième, qui est le plus malin? On sent qui est le cerveau du groupe. Voilà. Comme ça, on va voir ce que les gens disent. Non, mais c'est tout. Tu veux qu'on fasse une choré ou quelque chose ou... Tu sais danser? Moi, je vous verrai bien. Alors, Choubabakar, alors lui, il danse très très bien. Mais arrêtez de tout mettre sur Choubaba, laissez-le tranquille. Sa mèche est toute défaite maintenant avec vos bêtises. Bon, t'en es où, toi? Il me reste une vis. Ah ouais, c'est bien. Donc, je suis content. On est sur un petit 30 secondes. Ça fait quand même longtemps que t'as insulté personne, hein. Non, mais quand je dis insulte... On sent que tu trembles un peu. Je parle plus des intentions, des « toi ». C'est « toi, connard » ou... Ouais. Et c'est... Ça fait longtemps. Et je dois avouer que ça me manque un petit peu. Ouais. Ta gueule. Ah, ouais. Ah, on te reconnaît. Respire. Voilà. Oui. C'est exceptionnel. C'est parfait, ça. Putain, bah voilà. T'es chaud. Moi, j'ai envie de dire... C'est très sympa. Bravo. Petite niche. Moi, j'ai envie de dire, les gars... C'est vrai que c'est nous qui avons tout fait, quoi. Hein. Donc, voilà. Mais sans vous, non. Ouais. Mais attends, c'est incroyable. C'est trop bien, ça. Mais en vrai, j'ai envie de mettre des glaçons à l'intérieur. Et... Ouais. Non, en fait, c'est pour mettre des verres ou des bouteilles ou des télécommandes. C'est pas fait pour mettre des glaçons, mais bon... J'ai envie de vous dire, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour boire des bières. Non, autour de cette table. Moi j'aime pas les paroles en l'air, je te le dis. Ouais. On fera une photo. Alors, est-ce que j'ai une tête de parole en l'air? Non, mais tu vas te prendre un deuxième coup de pinceau, frère. Ça va être vite vu, quoi. Un rouleau cette fois et de l'anthracite. Non, je vais aller moi-même te démaquiller et te retirer cette petite tache de peinture. Voilà, on vous aime très fort et tout ça, abonnez-vous, blablabla. Et allez les voir, parce qu'ils sont très pas drôles, mais très drôles. C'est vrai. Il y avait un compliment et une insulte dans la même phrase. Ouais, mais c'est magnifique avec... C'est tellement Valérie, putain. Mais quand j'aime, je peux pas m'empêcher de vanner. Voilà, donc ça veut dire que je vous aime, c'est tout. Voilà, c'est de l'amour. Abonnez-vous à la chaîne de Valou. Parce qu'on va s'appeler Valou. Ouais, non. Valou, on va s'appeler Valou. Okay. Abonnez-vous à la chaîne de Valou. Et franchement... J'ai très envie d'aller prendre un petit apéro sur cette table. Eh ben, très bientôt. Et on fera une personnellement, je trouve que, si je peux me permettre, la couleur est pas ouf. Aïe. Bon, sur ce, je m'en vais avant que ça parte en couille. Au revoir. Salut. Merci de l'invitation. Merci, Chewbaba, reste là. Salut les gars.
Si vous avez aimé qu'on ait refait cette table, et ben vous nous le dites, vous mettez des petits pouces partout, des pouces. Abonnez-vous. Ça, il y a des cloches, des alertes, des machins. Et puis, allez voir les tutos d'avant, d'après, du milieu. Je vous aime très fort et à la semaine prochaine.